Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « Les gens des réponses dans le Coran et la Sunna ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. » J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Répondre à Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est la vie du cœur et la preuve sur la foi parfaite. C'est la mort vraie. Allah, gloire à lui, dit: et vous que croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui est, à ce que vous donne la vraie vie. Et elle dit également, et exauce les voeux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et leur accroît sa faveur. Allah dit dans la même perspective, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimerait alors et vous pardonnerez vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens de la réponse sont providentiellement destinés à bien remercier Allah, gloire à lui, par se servir de sens qu'Allah leur accorde pour entendre le vrai et y répondre. Allah, gloire à lui, dit: seuls répondent ceux qui entendent. Donc, ceux-ci sont promis de pardon, du salut et de paradis le dernier jour. Allah, gloire à lui, dit: ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il, c'est-à-dire Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Allah dit dans le même sens: et la meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Sans doute, la vie des compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la vraie et humble réponse à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam dans l'affaire de changement de la Qibla de Jérusalem à la Kaaba. Eux, la réponse complète et immédiate de compagnons, qu'Allah les agrée, où ils se tournèrent au cours de la salat, où ils fusaient la prière vers Jérusalem. Lorsqu'on leur vint les informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ordonné de s'orienter vers la Mecque dans la salat, lorsque fut révélé aussi le verset, vous n'attendriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. À cette époque, Abu Talha donna en charité son jardin le plus chéri à lui, en quête de la rétribution auprès d'Allah. Lorsque fut révélé le verset, ô le croyant, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Les compagnons, qu'Allah les agrée, dirent: nous obstinons notre Seigneur, nous obstinons sur notre Seigneur, et ils sont obstinés tout de suite sur la sienne. Certes, la rétribution s'accorde bien à l'acte. Quiconque répond aux ordres d'Allah et s'abstient de ses interdictions, Allah lui exauce les invocations, Allah, gloire à lui, dit: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant: en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit également dans la même perspective: et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Si lui qui par orgueil se refuse à m'adorer entreront, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc, quand le prophète, salut sur où,
répondirent amplement à l'ordre d'Allah, gloire à lui, leur invocation était méritoire d'être exaucée. Et ce jet de Noé, salé sur lui, Allah, gloire à lui, a dit, et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exauçâmes et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. De son prophète Job, salé sur lui, Allah, gloire à lui, dit, et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exauçâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Au sujet de Zacharie, salut sur lui, Allah gloire à lui a dit, et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exauçâmes, lui donnâmes Yahya et guérim son épouse. Il concourait au bien et nous invoquait par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Donc, quiconque à qui Allah donne l'occasion d'invoquer sincèrement, Allah lui exauce les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Tout musulman qui invoque sans viser ni un péché, ni une rupture du lien de parenté, Allah lui donne un de trois, lui exauce immédiatement, lui réserve l'invocation pour l'au-delà, ou lui dissipe autant de malheurs, c'est-à-dire autant que cette invocation. » Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au dernier de prophètes et messagers, notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Sans doute se détourner de l'ordre d'Allah, gloire à lui, et ne lui répondre, se tiennent parmi les attributs saillants des hypocrites qu'Allah qualifie comme suit. Qu'est-ce qu'il a dit Allah, gloire à lui? Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui, soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils, ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son Seigneur? Non, mais ce sont eux les injustes. Allah, gloire à lui, dit également dans la perspective, il n'appartient pas à un croyant ou incroyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quant aux croyants sincères, Allah, gloire à lui, les cite à l'occasion de l'auge en disant la seule parole de croyant quand les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux. Et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ce qui réussissent. On a donc très besoin de bien répondre à Allah et à son messager avant que ne vienne un jour sans échappatoire. Allah, gloire à lui, dit « Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier vos péchés. Ô Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. » Wassalamu alaikum wa rahmatullah, docteur Kamel Gadal.